Bon ben voilà, hein. Voilà, vous pouvez poser des questions. On va peut-être commencer par expliquer, on va expliquer deux choses en fait. On va essayer d'expliquer toutes les possibilités de variation rythmique. Et deuxième chose, expliquer les clés pour la construction des formes, la mobilité des formes. Alors, première chose, on va commencer par le principe de base. Il faut que je prenne un peu mon souffle. En fait, les mélodies, comme elles sont écrites, elles ont plusieurs niveaux de lecture différents. Par exemple, on va prendre un morceau, on va jouer le thème. En fait, c'est le dernier qu'on vient de faire. On va commencer par jouer le thème simplement. Petit à petit, on va y arriver. En fait, je vais peut-être expliquer mieux. Donc, en fait, on va jouer toutes les possibilités, ne vous inquiétez pas. On va essayer, en tout cas, une à la fois. Une mélodie, par exemple, si elle était écrite, elles sont pratiquement toutes écrites avec comme base, comme n'importe quelle musique, une noire, quatre doubles croches. Mais les mélodies, elles, sont polarisées autant sur une noire égale quatre doubles croches que bien d'autres choses. Par exemple, une noire, trois doubles croches. Mais les doubles croches ne bougent pas, sont toujours les mêmes. Donc en fait, c'est la pulsion de le beat, voilà une expression bien appropriée. Le beat change. Alors le premier principe qui est le plus simple, c'est celui que j'ai énoncé juste précédemment, une mélodie avec un temps pour quatre doubles croches, la double croche ne bouge pas, et le premier temps se déplace sur la quatrième double croche plutôt que la cinquième dans les temps. Donc un temps devient trois doubles croches. Ça, c'est la première chose. Donc on va jouer le morceau qui s'appelle Akamoun. On va faire un premier thème, un premier A avec un temps pour quatre doubles croches, et le deuxième thème, un temps
trois doubles croches. Deux, comme ça les informations sont plus faciles à décoder. Il y a une information à la fois. Clair, ça. Ça, c'est clair. Ça, c'est la deuxième. La première, en fait. La deuxième, la première, c'est un temps, quatre doubles croches. Deuxième, un temps, trois doubles croches. Maintenant, le morceau est écrit en neuf temps quand une noire égale quatre doubles croches. Ça, si on rentre là-dedans, ça va être terrible. Ok, oublions ça pour le moment. Il y a une autre possibilité. On va prendre la troisième possibilité. En fait, Michel va rejouer la basse. Et le 1 peut... Il y a une espèce de mix comme ça entre un temps, quatre doubles croches et un temps, trois doubles croches. En fait, il y a une nouvelle mesure qui apparaît au milieu après celle-ci. En fait, c'est du 9 que vous avez entendu. Mais il y a quelque chose dans le carré de la forme, c'est construit comme un carré magique. Donc à partir du moment où un temps est égal 3 doubles croches, ça donne quand même du 9. C'est ce que je voulais expliquer tout à l'heure, mais comme ça vous le savez. Donc ça fait 9 en un temps 4 doubles croches, 9 en un temps 3 doubles croches. Et il y a aussi moyen de faire, le thème est aussi écrit en 6, 3, 16, qui est le cycle de la basse. Alors maintenant, Michel va jouer la basse avec Stéphane, et Stéphane va donc faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis 1, 2, 3, qui sont 3 doubles croches. Donc on a chaque temps ces 4 doubles croches. Ça fait 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1. 6, 3, 16. Donc la basse est aussi écrite en 6, 3, 16, et ils vont faire le 6, 3, 16. Ça aussi, c'est clair. Alors maintenant, on va résumer les trois.